ne s'improvise pas simulateur, qui veut. Donc nous allons, à partir du travail qui a été effectué, constituer un groupe de travail qui se réunira très prochainement, à la fin du mois de janvier, pour la première partie, composée de toutes les parties prenantes professionnelles, et qui aura pour mission de faire un certain nombre de propositions concernant un cahier des charges et le mode d'emploi de ce que doit être des séances de perfectionnement ou de formation par simulation, un cahier des charges des méthodes et modalités et programmes dans lesquels ça doit s'appliquer. Par exemple, les études ont montré que des formations qui durent moins d'une journée sont insuffisantes, et surtout des méthodes de formation des formateurs. Ça nécessite d'avoir des personnes qui sont entraînées, qui savent parfaitement la technique pour pouvoir servir de guide et de compagnon aux médecins et aux professionnels. Tous ces travaux vont se faire bien sûr avec la coopération des structures professionnelles, des conseils nationaux professionnels pour ce qui concerne les médecins et qui définiront les bons sujets comme par exemple des jeux de rôle sur l'annonce d'un hommage lié aux soins ou des jeux de rôle autour de réunions de concertation pluridisciplinaire ou des réunions de morbimortalité ou bien sur des plateformes plus techniques avec des mannequins ou des dispositifs. Cela fera l'objet de préconisations et de recommandations que nous pourrons fournir aux ministères concernés, notamment pour ce qui concerne les plateformes techniques lourdes qui doivent être bien sûr intégrées à des structures hospitalières.